La modélisation 3D consiste à restituer en trois dimensions des espaces que l'on prend en photo par drone. Donc on va compiler des centaines, des fois des milliers de photos pour reconstituer, pour créer l'axe Z et donc retrouver un modèle en trois dimensions. Ça permet quoi ? Ça permet de calculer des distances, de calculer des volumes et d'avoir, de permettre d'exploiter tout comme ici, des différents agadirs et de pouvoir bénéficier de ce modèle dans son intégralité sur ordinateur. Pour permettre aux architectes ensuite de, par exemple, de mesurer les épaisseurs de murs, de mesurer des volumes, etc. etc. Et donc, nous avons fait ça sur 5 agadirs avec Madame Salimanaji dans la région de Sousmassa. Il y a deux exploitations essentielles de ces modélisations 3D. La première, comme je l'ai dit, est assez professionnelle, qui permet aux architectes notamment d'effectuer certaines mesures de ces modèles-là. Mais il y a aussi une application beaucoup plus ludique qui permet à n'importe quel utilisateur, directement sur Internet, de pouvoir visiter des agadirs en faisant tourner les modèles directement sur Internet avec leur smartphone, par exemple. Et donc on va intégrer ces modèles-là sur des cartes, les cartes du Maroc. Comme ça, n'importe quel utilisateur pourra zoomer sur une partie et bénéficier de ce modèle 3D qui s'affichera avec un détail centimétrique.